Comme d'habitude, je vais sur... Tu chantes quoi, Clément, là? Ah, c'est Claude François, c'est un jeune, là, qui est pas mal. Je connais pas. Tu connais pas? Non, t'as vu le stade de Reims hier à Colombes? Je suis stéphanois, moi. Ah, t'es plutôt pour l'AS Saint-Etienne. Ouais, c'est une bonne équipe, ça marche pas mal. Bon, on va à Périgny, dans le Jura. Il y a un musée de l'automobile qui s'est ouvert. Il y a des véhicules qui datent de 1918, 1920. C'est très intéressant. Every day, I go to work. Alors Roland, vous êtes l'heureux propriétaire de cette centenaire. C'est quand même assez étonnant de se trouver à côté d'un véhicule comme ça. Ça vous a fait quoi quand la première fois que vous l'avez vu, que vous avez pu vous l'offrir? Alors, c'était le Saint Graal pour un collectionneur, puisque le modèle de Tipa, il faut imaginer que la première année en 1919, il n'y en a eu que 2050 de fabriqués. Imaginez combien il peut en rester, donc très très peu. Il faut qu'on explique aux téléspectateurs qu'elle est un peu particulière, celle-ci, c'est qu'elle a servi pendant des décennies à vendre des glaces. Tout à fait. Il y a un monsieur qui s'appelait monsieur Bataclin à Dole, dans le département 39, qui l'a acheté en camionnette à l'époque et qui l'a fait modifier. On retrouve les manèges de chevaux de bois dans les piliers, etc. Il était assez grand, donc il avait remonté pour ne pas se cogner quand il allait chercher les glaces. Ouais. Des générations de jeunes jurassiens ont mangé des glaces avec cette type A qui roule encore, c'est ça qui est dingue. Ah oui, il roule encore, oui. Il était stationné place Grévy à Dole et il se baladait dans Dole et les gamins couraient derrière quand ils entendaient la petite cloche qu'il y avait sur le côté ici à l'origine quand il arrivait. Bon, on parle des gamins qui adorent les glaces et puis il y a ces vieux gamins qui adorent les Citroën. Pourquoi est-ce que vous aimez, vous, les Citroën? Ah, mais les Citroën, c'est lié à l'enfance. Mes parents roulaient en DS et donc ça m'est resté. Et c'est pour ça que je roule en vieille Citroën. Cette voiture, elle est incroyable parce qu'elle est en bois, en fait. Tout à fait. C'est, à l'époque, on ne savait pas faire les voitures en tôle. C'est apparu chez Citroën à partir de 1926. On fabriquait les voitures en bois. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a qu'une porte à droite pour les problèmes de rigidité de la caisse. Ça devient de plus en plus rare de trouver encore des merveilles comme ça dans la nature. Hein. C'est difficile. Dans la nature, on n'en trouve plus. C'est fini. Maintenant, on les trouve chez des collectionneurs qui... ne peuvent plus les conduire. J'imagine que vous êtes heureux qu'elle soit bien ici, au musée des véhicules anciens, ici à Périgny. Ah ben, quand on me l'a demandé, je n'ai pas hésité une seconde, je l'ai apporté pour en faire profiter tout le monde. Ça rappelle des souvenirs à beaucoup de gens et montrer un véhicule qu'à 100 ans, il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, Paul Bonicel, notre président, a eu l'idée, c'est un collectionneur, il a eu l'idée de créer le musée. Et c'est toute une équipe de copains qu'on a mis ça ensemble, en place. Oui, la première année, on a fait 1200 entrées. L'année dernière, on en a fait 1800. Puis on espère encore progresser là, dans les années à venir. Oui, effectivement, on n'est que des bénévoles et ça prend du temps, mais bon, on aime bien ça, quoi. C'est une aventure. Bon, en tout cas, ils étaient vraiment très sympas dans super, ce musée. Hein. Super. Allez, on trace, nous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Tu me remets du Claude François? Allez, c'est parti. Tu connais ça? Mais c'est pas mal. Ouais, j'aime bien. Cette année-là,